voir comment ça fonctionne en général. C'est-à-dire on commence toujours avec une couche de béton de propreté. Sur cette béton de propreté, on pose un tapis anti-vibratoire. Sur cette tapis anti-vibratoire, on a la plateforme en soi. Sur cette plateforme, on pose des traverses, que vous pouvez aussi voir là, qui portent finalement les rails. Donc, une fois, les rails sont posés sur et réglés au niveau de la hauteur et largeur, etc. On coule le béton de la voirie, c'est-à-dire le béton entre les rails pour laisser pour permettre la circulation avec les voitures ou avec les véhicules.